Donc nous on a fait ce film en fait, c'est vrai qu'on n'est pas archéologue du tout, on est juste lycéen, on est passionné de cinéma en fait. Et c'est grâce en fait à une exposition au musée Luc de Noum à Lyon. Donc on a vu en fait lors de cette exposition comment en fait le rapport des Romains avec l'eau, comment ils utilisaient l'eau, comment elle était amenée par exemple à la cité Luc de Noum. Et en fait, on a décidé comme ça de faire un petit film, en fait, d'essayer de vulgariser pour en fait le présenter au public et montrer voilà, au public comment était amenée l'eau en fait. Et on s'est penché vers un sujet précis, c'est l'aqueduc du Gier. Et donc on a pu rencontrer donc, le directeur du musée gallo-romain qui a pris de son temps libre pour nous emmener sur le tracé de l'aqueduc pendant toute une journée. Donc on est parti caméra à l'épaule pour filmer du coup cette journée qui nous a du coup permis donc, de mettre le film sous forme, comme vous allez le voir, de récits vidéo en fait, de cette journée. Donc la plupart des plans que vous allez voir ont été tournés donc, en une seule journée. Et du coup, voilà, donc le festival de Nyon, c'était un peu l'occasion du coup de jouer dans la cour des grands. Donc voilà. Donc merci de nous accueillir ce soir. Pour sa facture cinématographique de qualité, parce qu'il permet aussi aux spectateurs de vivre avec l'archéologue ses difficultés au quotidien sur des sites complexes en bord de mer, et parce qu'il nous fait prendre conscience du caractère éphémère des constructions humaines en proie à la nature, le jury décerne son prix spécial au peuple des dunes de David Geoffroy. Parce qu'il offre aux spectateurs une vision nouvelle de l'Homo sapiens, basée sur une enquête pluridisciplinaire, qui permet de remettre en question les idées reçues sur les hommes préhistoriques et la place des femmes dans ces sociétés, pour sa fraîcheur et son originalité dans le traitement du récit, pour sa mise en scène fluide et rythmée des reconstitutions historiques, le jury décerne le prix des Amis du musée de Nyon du meilleur film d'archéologie à petit budget à La recherche de Sapiens de Pauline Coste. Pour la qualité des images et du montage qui nous font oublier le dispositif cinématographique pour nous permettre de vivre pleinement avec les archéologues et les spéléologues, leur immersion dans cette grotte et leur découverte en direct comme si on y était, le jury attribue le prix du meilleur film d'archéologie à Néandertal, le mystère de la grotte de Bruniquel de Luc-Henri Fage. Alors je tiens à dire, avant de révéler le nom du vainqueur, que c'est très serré. Donc j'ai toute une liste là, j'en ai 9, 10, hein. Alors vraiment c'est serré, serré, serré. Mais il y en a quand même un qui gagne quelques points. Et ce n'est peut-être pas une surprise, mais c'est à nouveau Néandertal, le mystère de la grotte. Ça fait maintenant 20 ans en fait que le festival existe, c'est maintenant la 20e édition, donc déjà comment ça s'est créé en fait, comment ça s'est... on est venu à ça en fait. C'est-à-dire que je suis archéologue et passionné de films documentaires, donc tout naturellement c'est venu, j'adorais voir des films documentaires à la télé. Il y a 20 ans, Internet n'existait pas vraiment, c'était les balbutiements, il n'y avait surtout pas de vidéos qui étaient possibles par Internet, et les films passaient une fois à la télé et après on ne peut plus les voir. Et il y a quand même une demande du public pour ce genre de films, donc... J'ai voulu pouvoir permettre au public de revoir ces films ou de découvrir ces films. Il y a aussi beaucoup de films, comme on a dit, à petit budget, qui sont faits dans un musée ou par des archéologues locaux, comme ça, qui n'ont pas une diffusion très grande. Donc c'est pour leur permettre au public de voir ces films. Et à ces films aussi d'avoir
pour les meilleurs d'entre eux, d'avoir un prix, quelque chose qui permet souvent peut-être aux réalisateurs d'aller plus loin, voire trouver des télévisions et des choses comme ça. Donc en fait, c'est vraiment offrir au film une meilleure visibilité partout. En fait, c'est ça le but vraiment premier du festival. Alors, offrir au film une meilleure visibilité, offrir aussi au public l'occasion de pouvoir voir ces films. Donc il y a ces deux choses-là, oui. Et puis aussi permettre, parce qu'il y a des films, enfin maintenant il y a une grande qualité de films, mais à l'époque il y avait aussi beaucoup de films qui étaient, disons, de journalistes qui faisaient des films d'archéologie, mais qui n'étaient pas forcément bien renseignés sur l'archéologie et tout ça. Il y avait beaucoup de bêtises, entre guillemets, qui se disaient. Donc c'était aussi d'avoir un jugement sur ces films et puis de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il y a la déontologie du métier a beaucoup évolué aussi ces dernières années, donc on ne fait plus trop disons, les journalistes ou les réalisateurs se renseignent bien, et puis il y a aussi Internet qui permet d'avoir vraiment c'est une grande bibliothèque, quoi, alors qu'à l'époque il fallait vraiment aller dans les bibliothèques, chercher les informations et tout ça. D'accord, merci. Et cette nouvelle édition, comment ça s'est passé pour vous? Ça a été beaucoup de travail sûrement? C'est toujours beaucoup de travail, oui, et surtout ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de films qui se font, beaucoup de films de qualité, donc il y a un grand travail de sélection qui se fait, et ça, c'est, je dirais, c'est le plus dur, parce qu'on doit malheureusement éliminer des bons films aussi. Il y a beaucoup de bons films qu'on ne peut pas sélectionner, donc parce que là, ils sont bons, mais on n'a malheureusement qu'une semaine de projection, donc on a un certain horaire, donc on ne peut pas tous les montrer. D'accord, et à propos de la sélection d'ailleurs, pourquoi avoir choisi le film complètement siphonné qui a un autre niveau bien sûr des autres films en fait? Pourquoi ce choix? C'est justement pour montrer aussi, c'est un début du festival, c'est de montrer tout ce qui se fait en matière de films d'archéologie. Et ça, c'est un film très intéressant parce que c'est un film qui est hors des sentiers battus. C'est pas un film d'une télévision, ça correspond pas non plus à un film à petit budget tel qu'on les a d'habitude avec en général ceux qui font des films d'archéologie et puis qui les présentent au festival. Ce sont des gens, disons, d'âge mûr ou des archéologues ou des musées ou comme ça. Et là, un film fait par des lycéens, c'est assez fantastique et prometteur aussi. D'accord. Donc ouais, c'est pour montrer en fait une diversité, voilà, c'est pas toujours se cantonner à un seul genre, c'est vraiment, voilà, c'est autre but. Voilà, le but c'est la diversité, aussi bien dans la manière de faire les films que dans la géographie aussi. Il y a des films qui viennent de l'étranger, des films égyptiens, on profite de montrer ce qui se fait, même si c'est pas du tout, ça correspond pas vraiment à ce qu'on fait ici ou ce qu'on a l'habitude de voir. Ils ont une autre manière de penser, de faire les choses, mais c'est utile de montrer ce qui se fait ailleurs aussi.